une compétitrice dans l'âme. Le 3 novembre dernier, Marine l'Orphelin a pris l'avion pour participer au marathon de New York, organisé 2 jours plus tard. Un voyage qu'elle a réalisé aux côtés de son compagnon, Stanislas Gruot. Et après avoir couru pas moins de 42 km, l'ancienne reine de beauté s'est effondrée dans les bras de son prince charmant. L'épreuve la plus difficile de ma vie, a-t-elle concédé dans un post publié sur Instagram, le 6 novembre dernier. Et d'ajouter, mais la team Orange Running Amour Stanislas Gruot m'ont aidé à me surpasser pour passer cette ligne. Galvanisée par sa performance, celle qui a remporté le concours Miss France en 2013 prépare déjà un autre défi sportif. En témoigne un communiqué de presse publié au début du mois de novembre par la HMDS, Half Marathon des Sables. L'organisme a en effet annoncé que Marine l'Orphelin participerait au Half Marathon des Sables Égypte 2023, une épreuve organisée du 18 au 24 novembre et rassemblant près de 650 participants. Cet automne, c'est au tour de Marine l'Orphelin de prendre le départ de la course. Elle avait déjà participé à l'édition 2022 à Fuerteventura. Cette expérience sportive montre la détermination de Marine lors de ses défis sportifs, peut-on lire dans le communiqué. Marine l'Orphelin et Christophe, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Les divorces et ruptures de l'été 2023. Marine l'Orphelin, son prochain challenge sportif. En détail au cours de cette aventure hors du commun, Marine l'Orphelin devra surmonter plusieurs étapes. Comme le révèle le communiqué de presse, ce challenge propose 3 formats de distance avec des courses de 70 km, 100 ou 120 km, répartis sur 3 étapes. La première étape couvre 25 km, tandis que la deuxième offre une distance variable de 20, 40 ou 60 km en fonction de la forme de chacun, indique l'organisateur. Les participants peuvent ensuite se reposer pendant une journée complète avant de participer à la troisième et dernière étape, une course de 25 km. Alors, oui, Marine l'Orphelin va devoir se surpasser pour surmonter ce nouveau défi. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Dominique Jacovide.